Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture. J'espère que vous allez bien. J'avais très hâte de commencer ce vlog parce que j'ai l'impression que j'ai plein de trucs dont j'ai envie de vous parler. J'ai plein de livres que j'ai envie de vous montrer. J'ai envie qu'on parle de mes lectures de l'automne, forcément. J'ai envie qu'on lise des trucs un peu spooky, mais en même temps très cosy. On continue sur la lancée des vidéos automnales parce que ça y est, je suis à fond dans la saison. Donc pourquoi ne pas en profiter en vlog? Ce serait vraiment dommage. Comme je vous disais, il y a plein de choses que j'ai envie de vous montrer et plein de choses dont j'ai envie de parler. Mais soyons organisés. Je vais commencer par le commencement. Et je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet parce que j'ai peur que cette vidéo dure 1h30. Vous avez vu que ma lecture en cours, c'est La Maison des Feuilles. Je regarde s'il rentre dans le cadre, tellement il est gros ce livre. La Maison des Feuilles de Marc Danielewski, qui était la première lecture commune du Patreon de Cornelius. D'ailleurs, la réunion a lieu demain parce qu'aujourd'hui, on est samedi 1er octobre. Et comme vous l'avez vu, je suis à la moitié de ma lecture, donc je ne pourrai malheureusement pas y assister, mais je suis vraiment très très contente d'avoir profité de la lecture commune de Cornelius, même si finalement j'ai pas vraiment l'impression de le lire en lecture commune, parce que c'est vrai que j'ai pas trop échangé dans le Discord, et qu'en fait je suis arrivée après la guerre, quoi. Mais je suis très contente d'avoir profité de le lire à ce moment-là, parce que j'avais tellement peur de ce livre, et je pensais qu'il allait être tellement éprouvant et compliqué, fastidieux, laborieux à lire, que je ne suis pas sûre que je me serais lancée toute seule, comme ça. Et en tout cas, c'est vrai que j'ai beaucoup échangé avec Cornelius, surtout durant ma lecture, et c'est trop cool. La Maison des Feuilles, c'est l'histoire, c'est un peu compliqué. C'est l'histoire d'une famille américaine qui emménage dans une nouvelle maison en Virginie. Ah, je suis en train de réaliser que mon micro est là, que ça se trouve, je fais des bruits avec le livre et avec mes cheveux. Oh mon Dieu, je suis désolée. Je vais le tenir de l'autre côté, ce sera plus safe. Donc La Maison des Feuilles, c'est l'histoire d'une famille américaine qui emménage dans une nouvelle maison en Virginie. Et un beau jour, ils se rendent compte que dans leur maison est apparu un couloir noir qui semble s'étendre à l'infini, qui est froid, Bref, un couloir est apparu dans ta maison, genre il n'y a rien de normal là-dedans. Y a une autre petite pièce aussi qui apparaît, et bref. Et en fait, on suit l'histoire de cette famille et de l'exploration de ce couloir qui en fait donne sur une espèce de labyrinthe gigantesque qui ne fait que changer. Et en fait, toute l'originalité de La Maison des Feuilles, et ce qui faisait aussi que j'avais un peu peur de lire ce livre, c'est la forme du roman. Je l'ai mentionné dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. On suit l'histoire de ces gens, dont le père, enfin le père de famille, est photographe, reporter, je crois. Et donc en fait, il a documenté cette exploration de leur maison et de ce couloir étrange via photos, enregistrements audio, enregistrements vidéo. Et en fait, cette histoire date un petit peu quand on nous raconte l'histoire de La Maison des Feuilles. Et il se trouve que ces supports qui ont été créés par Will Navidson, c'est le gars, ont été ensuite étudiés en long, en large et en travers par plein d'intellectuels, d'académiques, de scientifiques, plein de gens. Et ensuite, on a un vieux monsieur dans notre histoire qui lui aussi a fait une étude de cette œuvre et de toutes les œuvres et études dérivées qu'il y a eu à propos de ça. Et en plus de ça, on a un jeune homme, ça n'a aucun sens, c'est trop dur à expliquer, on a un jeune homme qui trouve les recherches de ce vieil homme et qui les remet bout à bout et qui en plus en fait des annotations et des commentaires. Donc on suit une histoire qui a été raconté par quelqu'un sous forme de travail un peu académique, universitaire, commenté par quelqu'un d'autre. En fait, ouais, c'est vraiment comme un travail universitaire, c'est-à-dire que le fond est bien souvent très intéressant et passionnant, et la forme est tour à tour passionnante également, ou chiante, voire carrément rébarbative et très ennuyeuse. Mais jusque-là, j'ai vraiment
enfin, j'apprécie vraiment ma lecture. Les passages qui me gavent un peu, je les survole parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas utiles, donc c'est plutôt pratique. Au-delà de ça, je trouve que le mystère est vraiment, pour moi en tout cas, il est toujours épais, entier. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il en est. Et je trouve ça très intéressant. Et en fait, je suis un peu envoûtée par cette histoire, par cette famille, par cette maison. Et c'est vrai que la forme me saoule par moments. À d'autres moments, je trouve qu'elle est vraiment très fluide et que tout va super, super bien, super facilement. Mais pour l'instant, c'est une réussite. Je suis contente aussi parce que j'avance relativement bien. J'avance lentement, mais sûrement. Je pensais que j'aurais besoin d'entrecouper ma lecture avec d'autres lectures un peu plus faciles et plus divertissantes. Mais en fait, je trouve totalement mon compte dans la maison des feuilles. Donc voilà, je suis plutôt contente et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, comme je vous le disais, j'ai plein de choses à vous montrer et j'ai plein de trucs de prévu ce week-end. Donc je vais vous laisser là. Cet après-midi, je dois notamment aller récupérer un petit colis pour moi et aller faire des achats en librairie. Ni pour moi, ni pas pour moi, mais ça on en reparlera plus tard. Et je vais notamment acheter un petit livre que j'espère lire en entier dans ce vlog parce que c'est un auteur que j'aime bien, que j'ai pas lu depuis un moment et que ce sera parfait pour le thème. Je profite qu'il nous reste un petit peu de lumière en cette fin de journée pour vous montrer, même si vous l'avez déjà vu, mes petits achats du jour. J'ai récupéré mon colis Vinted pour une cosmologie de monstres de Sean Hamill, puisque c'est notre lecture du book club sur Patreon pour le mois d'octobre, puisque j'avais envie d'ambiance un petit peu Lovecraftienne. Et ensuite, je me suis acheté The Graveyard Book de Neil Gaiman parce que cette fois-ci, c'est la lecture pour le book club de Christian Jones que je suis assidûment. Même si je fais pas toujours, je fais même rarement les lectures, mais bon, ce mois-ci, je me suis dit qu'il y avait trop de coïncidences entre le Pumpkin Autumn Challenge de Guimauz qui est notamment basé cette année sur ce livre qui d'ailleurs est La vie, l'étrange vie de Nobody Owens en français, plus le book club de Christian Jones qui le proposait ce mois-ci et il a gagné, donc je me suis dit que c'était l'occasion rêvée et je suis trop contente parce que dans ma ville j'ai une librairie dans laquelle je trouve beaucoup 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 de titres en VO qui sont très intéressants et c'est génial parce que j'ai l'impression que il y a quelques années encore, si je voulais de la VO, j'étais un peu obligée, entre guillemets, de passer par Amazon. Et aujourd'hui, je sais que je vais dans cette librairie-là et à moins d'avoir un titre voilà, un petit peu obscur en tête, je sais que je vais trouver ce que je recherche et c'est vraiment trop bien. Donc là, je suis trop contente parce que je l'ai trouvé du premier coup, je savais qu'il était en rayon. Bon, rien ne me garantissait que j'allais le trouver aujourd'hui. Il aurait pu partir juste avant que j'arrive. Mais il était là et je suis trop contente et c'est donc le petit livre que j'ai envie de lire
Dans ce vlog. Et voilà, avant que la nuit tombe bel et bien, je vais vous laisser là. Je me suis changée parce que je ressors ce soir. Et puis, je vous retrouverai plutôt demain, je pense. J'ai tranquillement commencé ma lecture de L'étrange vie de Nobody Owens, The Graveyard Book en anglais. J'ai pas énormément lu ce week-end parce que je suis pas mal sortie, mais j'en suis à la page 42. Pour l'instant, je peux pas vous en dire grand-chose, si ce n'est que je trouve que c'est très bien écrit, c'est très poétique. J'ai lu deux romans de Neil Gaiman, j'ai lu Coraline, qui est aussi un livre pour enfants, comme L'étrange vie de Nobody Owens. Et j'ai lu Neverwhere il y a des années, quand j'étais à la fac. Et je les ai tous les deux lus en français. Et la plume ne m'avait pas vraiment marquée. Je ne sais pas si c'est une question de mémoire ou si c'est vraiment que la traduction ne m'avait pas spécialement... ne m'avait pas vraiment laissé de souvenir quelconque. Mais là, je trouve que c'est très bien écrit. Je trouve que c'est très beau, que ça contribue à instaurer une ambiance qui est très magique, très sinistre, mais en même temps très très jolie. C'est très bizarre à expliquer, mais je ne vous en dis pas plus parce que voilà, je suis à la page 40, donc j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est très chouette, pour le moment en tout cas. Bon, j'ai plein de trucs à vous dire là dans ce clip, j'ai l'impression que je vais essayer de faire vite. J'ai reçu des petites choses. Quelque chose que je me suis acheté et quelque chose qu'on m'a envoyé. Par quoi on commence? Je vais commencer par ce que je me suis acheté. C'est un petit cadeau de moi à moi. Ah, oh, c'est bien emballé. Trop bien. Trop bien. Je suis trop contente. C'est tellement beau. J'ai passé commande sur la boutique de Sita. Sita tout court. Qui fait des illustrations absolument magnifiques. Et je voulais craquer dès l'ouverture de sa boutique. J'avais pas pu. Mais maintenant, c'est chose faite. Je me suis pris le petit set de ses illustrations Ghibli. Là, vous avez Kiki, la petite sorcière. Je vous mets bien évidemment les liens dans la description, YouTube, Instagram, la boutique. Par contre, au niveau de la boutique de Sita, justement, je me suis dépêchée d'acheter mon petit set parce que il me semble qu'elle disait sur Instagram que sa boutique va fermer pendant une petite période parce que je crois qu'elle va à une convention et qu'ensuite elle rouvrira sa boutique en ligne. Bref, je vous mets tous les liens, mais si la boutique est indisponible au moment où vous cliquez dessus, pas de panique, un petit peu de patience, et normalement tout revient dans l'ordre une fois qu'elle sera disponible. Oh, je suis trop contente, c'est vraiment trop trop beau. Ok, on passe à ma petite réception. Il est magnifique. Ce sont les éditions Robert Laffont qui m'a envoyé un très très gentil mail pour me proposer de recevoir notamment ce Dan Simmons qui est sorti, je pense, il y a à peine quelques jours, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Ça fera peut-être quelques semaines pour vous. Et je ne savais même pas que cette novella sortait. Vous voyez, c'est écrit
C'est écrit assez gros, donc ça va être une lecture vraiment assez rapide. C'est un hommage à la Terre mourante de Jack Vance. Je ne sais pas s'il faut du coup absolument avoir lu La Terre mourante avant, chose que je n'ai pas faite, je n'ai pas encore eu le plaisir de découvrir Jack Vance. C'est une novella qui s'appelle Le nez boussole d'Ulfante Banderose. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais en fait, j'avoue que je n'y ai pas réfléchi à deux fois parce que Dan Simmons, j'ai lu le premier tome d'Hyperion que j'ai beaucoup aimé, j'ai lu Nuit d'été, qui est dans un autre style mais que j'ai adoré également. Ça se passe dans un futur très lointain, la Terre est mourante, la Lune a quitté son orbite depuis des millions d'années et le grand soleil rouge devient plus léthargique que jamais. Le monde est fatigué. Alors que la mort de la Terre s'accélère, Shru, le diaboliste, apprend qu'Ulfante Banderose, le plus vieux membre de la congrégation de sorcellerie et gardien de la bibliothèque ultime, est mort. Shru cherche à prendre possession de cette bibliothèque et à en percer les mystères. Il a tenté plusieurs fois de s'approcher des grands livres anciens, mais les lettres, les formules kabbalistiques se sont dérobées tant à ses yeux qu'à sa mémoire. Parviendra-t-il enfin à découvrir les secrets et le pouvoir qui se cachent dans la bibliothèque ultime et ainsi changer le destin funeste de la planète? Ça vend du rêve, totalement des thèmes que j'adore. Oh, je suis vraiment trop contente. Et j'avais pas vu, j'ai un petit mot adorable. Merci pour tout, j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Et maintenant, je vous parle rapidos, parce que là j'ai déjà beaucoup trop blablaté, de deux, trois petites choses. Je reviens un peu sur mes lectures que j'ai faites récemment, dont je ne vous ai pas encore parlé, des trucs que j'ai présentés notamment dans ma palle du pumpkin. J'ai eu une petite panne de lecture, on va dire, suite à ma lecture de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Je sais pas pourquoi je vous montre la couverture parce que ben, voilà, y a rien à voir. 100 ans de solitude, c'était notre lecture pour le book club sur Patreon du mois de septembre. Voilà, c'était la première fois depuis que j'ai mon petit book club que je ne termine pas un livre. Je suis allée faire des recherches sur son temps de solitude, je suis allée lire ce qui se passe à la fin. Bref, j'ai fait ce qu'il faut pour essayer d'appréhender cette œuvre du mieux possible et je fais des vidéos dédiées sur les livres qu'on lit pour Patreon, sur Patreon. Et en gros, ce que je disais dans cette vidéo, c'est que je pense que son temps de solitude a une dimension très 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 identitaire et que pour cette raison, je suis passée complètement à côté, parce que je ne suis pas colombienne, parce que je connais très mal tous les contextes dans lesquels s'inscrit cette œuvre, contexte social, historique, économique, politique, littéraire, culturel, tout ça. Et malgré les recherches que j'ai pu faire, cette œuvre pour moi est restée vraiment très 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 obscure, voilà, très très loin de moi, très très loin de tout ce que je peux comprendre. J'ai l'impression que j'avais vraiment pas les clés nécessaires pour appréhender 100 ans de solitude vraiment comme il se doit. Et voilà, je suis passée complètement à côté, et même si je le disais aussi, je reconnais hein, les qualités littéraires et le génie d'auteur de Gabriel Garcia Marquez, parce qu'il fait des trucs que personnellement j'ai lus nulle part ailleurs et qui doivent être très difficiles d'exécuter. Mais globalement, voilà, j'ai été complètement paumée, complètement perdue, j'ai pas spécialement apprécié ma lecture. Et ouais, je pense que c'est dû à vraiment un manque de. J'avais l'impression de lire un livre dans une langue que je ne comprenais pas, tout simplement. J'étais un petit peu perturbée parce que je n'ai entendu que du bien de 100 ans de solitude et j'ai l'impression que tous les gens qui l'ont lu ont. Waouh, une révélation, une illumination, que tout le monde a totalement compris. Ou en tout cas, ouais, il y a trouvé quelque chose que personnellement, j'ai pas trouvé. Et ensuite, j'ai essayé de me remettre un petit peu dans la lecture avec deux graphiques. J'ai lu la duologie des chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe en manga, Le cauchemar d'Innsmouth, ici. C'était vraiment très bien. C'était voilà, une histoire vraiment Lovecraftienne par excellence, avec. Ce schéma narratif à la Lovecraft qu'on retrouve dans ses œuvres, c'est-à-dire un étranger qui arrive dans un endroit où il se passe des choses très étranges et qui est un petit peu trop curieux et qui se retrouve coincé là-bas et ensuite il se passe des choses terrifiantes. C'était vraiment une histoire horrifique très efficace. Les dessins sont absolument magnifiques et notamment les dessins
urbain, de paysage vraiment citadin. On est dans une petite ville en ruine. C'était vraiment intéressant. Et ensuite, j'ai lu encore quelque chose de court qui se lit rapidement, qu'on ne voit pas très bien. De la poussière à la chair de Ray Bradbury, que j'avais mis aussi dans ma palle pour le pumpkin. Et de tous ceux que j'ai lus de Bradbury, je trouve que c'est quand même le plus anecdotique. Est-ce que c'est parce que l'auteur s'est inspiré de sa propre famille pour écrire ce fix-up? Et d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi mon problème, c'est que c'est la première fois que je lis un fix-up de Bradbury où je me dis, ah, ça se ressent que c'est un fix-up parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses, enfin, il y a des petites histoires qui sont mises bout à bout, certes, mais qui ne forment pas spécialement un tout, en tout cas selon mon avis. C'était chouette de retrouver le style de l'auteur, c'était chouette de retrouver plein de petits messages, plein de thèmes qui sont chers à son cœur, je pense, mais je l'ai trouvé globalement quand même un petit peu oubliable par rapport aux autres lectures de Ray Bradbury qui m'ont vraiment beaucoup marqué. C'était sympathique, mais il m'a pas marqué, tout simplement. Et ensuite, j'essaie de terminer rapidement avec un livre que j'ai lu, que j'ai terminé il y a à peu près un mois maintenant, je pense. Et il s'agit de La Cité des nuages et des oiseaux de Anthony Doerr, un auteur que je n'avais pas encore découvert. Et c'est Albin Michel qui me l'avait envoyé en service de presse. C'était une surprise parce que je ne savais pas du tout que j'allais le recevoir. Et bah, par chance, quand j'ai lu le résumé, ça me tentait de ouf. Je me suis dit, bah, trop bien, je vais le lire. C'était ma dernière lecture que j'ai faite cet été et dont je n'avais pas parlé dans mon update parce que je ne l'avais pas encore totalement terminé. Ça a été vraiment une très bonne lecture, une très bonne découverte et une bonne surprise aussi parce que, comme je vous disais, je ne connaissais pas du tout l'auteur. Et dans ce gros roman de presque 700 pages, il me semble, mais qui se lit vraiment tout seul, c'est bien écrit, c'est fluide, c'est clair, on ne se perd pas, alors que il y a 5 ou 6 personnages, il me semble, qu'on suit à travers différentes époques. On est vraiment à la frontière entre une épopée historique, une espèce de roman contemporain. Un roman de science-fiction, un conte, une fable aussi, puisque le thème principal est tout ce qui relie nos personnages qui vivent tous à des époques et à des endroits de la planète différents. C'est un manuscrit ancien qui date de l'Antiquité, qui aurait traversé les âges et qui a eu un impact sur la vie de chacun de nos protagonistes. On suit par exemple deux personnages qui évolue juste avant et pendant la chute de Constantinople et de l'Empire byzantin. On suit deux personnages un petit peu plus contemporains qui vivent voilà, en 2020 à peu près à notre époque et qui sont eux aux États-Unis. Et on suit à ces personnages toute leur vie, vraiment de leur enfance jusqu'à presque ouais, leur mort. On suit aussi une petite fille quand l'histoire démarre, qui elle est dans le futur, elle est dans un vaisseau spatial qui fait route vers une planète très très lointaine. C'est un roman dans lequel il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont abordées. J'ai trouvé que c'était un roman très intelligent. Déjà, c'était très prenant et ça c'est vraiment cool parce que pour un roman qui fait 700 pages, il faut s'accrocher quoi. Mais personnellement, j'ai été agrippée vraiment du début à la fin. J'ai adoré tous les personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient très très bien construits, de façon, comme je vous disais, très intelligente. Et que vraiment, on s'attache beaucoup à eux. Et personnellement, j'étais vraiment très investie dans leur destin à chacun. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans l'écriture d'Anthony Doerr, c'est que il ne nous fait jamais plonger dans le pathos parce qu'il leur arrive des choses très très difficiles à tous ces personnages. Et en fait, tout est écrit dans la plus grande pudeur. Je ne sais pas comment expliquer. Je me suis énormément attachée au personnage, mais pas parce qu'on était dans un débordement d'émotions et de pathos. Et c'était très juste, c'était très beau, c'était très pudique. Ça aborde tout plein de sujets qui, personnellement, m'ont beaucoup plu. Et c'est aussi une ode aux mots, une ode à l'imagination, une ode au livre. Une ode à la façon dont les mots, les livres, les histoires peuvent sauver nos vies et surtout traverser les âges, traverser les mémoires et lier des gens qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres.
Bref, j'ai l'impression que c'est un petit peu fouillis ce que je vous raconte, mais c'est vrai que c'est un roman, c'est un roman un petit peu en arborescence, qui peut être un petit peu difficile à résumer, je pense, mais bref, c'était une très très bonne lecture. Je suis ravie d'avoir pu le découvrir. Et si vous êtes effrayé par sa taille, eh bien ne le soyez pas, tout simplement parce que les romans de chez Albin Michel sont très très aérés. On ne voit rien du tout. Ils sont vraiment très très aérés et en plus les chapitres sont très courts. Ça s'enchaîne vraiment à une vitesse sidérante. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas. Bref, c'était vraiment très très cool. Et je m'arrête là pour ce passage parce que c'est interminable. Je parle beaucoup trop. Bon, il est grand temps de clôturer ce vlog qui a duré bien trop longtemps déjà. Ce gâteau était absolument délicieux, je recommande à 100%. Je vous mettrai la recette dans la barre de description si ça vous intéresse. C'était un pumpkin spice latte cake. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est une recette américaine, donc eux, ils font pas les mesures en grammes, mais en cup et en cuillère, etc. Donc soit faut convertir, soit faut avoir les outils, mais qui sont trouvables franchement très facilement n'importe où et pour vraiment pas cher. Et puis comme vous l'avez vu, j'ai fait des bêtises. J'ai acheté un livre, j'ai fait quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis je ne sais combien de temps. J'ai fait un achat absolument compulsif. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert la chaîne BookTube de Books and Bao. Parce que je cherchais, j'avais tapé un truc dans la barre de recherche, et là je me dis, putain, cette chaîne, je sais pas, je la trouve intéressante, j'aime bien la façon dont la personne présente ses lectures, etc. Et puis de vidéo en vidéo, je découvre plein de titres que je ne connais pas, que je ne connaissais pas en tout cas. Et là, Julia Armfield, Our Wives Under the Sea, fait son apparition, et je me dis, mais ce livre a l'air absolument incroyable. Et je l'ai acheté immédiatement. Il est court, donc ça va. Par contre, je me dis là, je fais que des achats qui ne sont pas dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Ça n'a aucun sens. C'est pas bien. Mais en même temps, j'ai tellement hâte de le lire. Apparemment, Our Wives Under the Sea, c'est un roman gothique, mais totalement moderne, dans lequel on ne va pas retrouver les éléments un peu classiques et traditionnels du gothique. On va suivre l'histoire d'un couple de femmes
dont l'une est biologiste marine, il me semble, et elle est appelée en mission un jour pour descendre dans le fond des océans. Donc une mission sous-marine dans un sous-marin, et la mission qui devait durer, je sais pas, peut-être quelques jours, une semaine, s'éternise parce qu'ils ont un énorme problème et ils se retrouvent, l'équipage, coincé pendant 6 mois. Et quand cette femme remonte à la surface et qu'elle retrouve son épouse, elle est changée. C'est la même, mais ce n'est plus la même. Et voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, ça a l'air incroyablement bien. Le résumé me tente de ouf. Je n'ai entendu que du bien. Enfin, je n'ai entendu que du bien. J'ai pas entendu grand-chose. J'ai regardé une vidéo et je l'ai acheté. Mais vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a l'air trop bien. Ensuite, The Graveyard Book. Je voulais absolument terminer ce livre pour ce vlog, mais il se trouve que je n'ai pas eu le temps et j'ai vraiment envie de clôturer cette vidéo aujourd'hui. Je me dis, bon, si je termine pas un livre pendant mon vlog, c'est pas si grave que ça, si? J'en suis à la moitié et franchement, c'est une lecture vraiment sympathique que je vous recommande carrément si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu macabre, mais en même temps un peu rigolo, très joli, bien écrit, avec cette dimension un peu conte pour enfants, mais en même temps qui aborde des sujets qui sont quand même hyper durs. Puisque je crois que je vous ai même pas fait de résumé, mais The Graveyard Book, donc L'étrange vie de Nobody Owens, le petit garçon en français, c'est l'histoire de Nobody qui perd sa famille alors qu'il est tout bébé. Sa famille se fait assassiner par un étrange homme qui s'appelle Jack. Et en fait, ce petit bébé trouve refuge par hasard dans un cimetière en haut d'une colline. Et là, ce sont les fantômes du cimetière, qui sont d'ailleurs décédés depuis des centaines d'années, qui le recueillent et qui l'élèvent. Donc il a des parents adoptifs, il a un tuteur, et voilà, il a eu toute une petite famille constituée de fantômes et il va lui arriver plein de petites aventures. Ce que je trouve sympa, c'est que je dirais qu'on est à un croisement entre Cassidy Blake de V.E. Schwab pour un peu cette ambiance enfant, fantôme, et d'un Ray Bradbury pour le côté très Halloween, automnal, avec un style assez élégant, assez en même temps un peu piquant, un peu. Ouais, un peu. Un peu loufoque par moment. J'apprécie beaucoup ma lecture et voilà, je pense que ce sera pas une déception et que je peux m'engager en vous disant que vous pouvez lire ça, c'est très sympathique, même si je n'en suis qu'à la moitié. Par contre, je peux vous parler d'un livre que j'ai terminé et je ne m'attendais vraiment pas à le terminer dans ce vlog, La Maison des Feuilles. C'est flippant, il fait noir dès que je montre ce livre. Et si vous l'avez lu, vous savez à quel point c'est. Attendez, attendez. Ah là là, non, voilà, j'ai pourri tout mon cadre. Bon, on va rester comme ça. J'étais persuadée que j'allais mettre mes genre un mois à lire ce livre, et en fait, il s'avère que j'ai dévoré ce livre, ou qu'il m'a dévoré, je ne sais pas. Je vais essayer de vous faire un retour rapide parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et qu'en plus, il y a tellement de choses à dire sur La Maison des Feuilles que si je commence à m'étendre, j'ai pas fini. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment kiffé cette lecture. Je m'étais fait une montagne de La Maison des Feuilles parce que je pensais vraiment, bah déjà, comme je vous ai dit, que j'allais mettre 1000 ans à le lire. Je pensais que ça allait être très compliqué à lire. Et alors, certes, à certains moments, j'ai trouvé que la forme était vraiment pénible et rébarbative et relou. Et je me disais, oh, vraiment, genre, c'est fatigant et je peine. Mais la plupart du temps, j'ai trouvé que ça se lisait pas si mal que ça. Et surtout, j'ai été complètement transportée, subjuguée, intriguée, obsédée et hantée par l'histoire de cette maison, de cette famille. Ça m'a vraiment plu. C'est vraiment le type de bizarre que j'adore. D'ailleurs, je trouve qu'on est à la frontière entre un Piranèse, un jumeau du paradoxe, et Monster House, le dessin animé. Tout ça, un petit peu saupoudré de chaque, dans un format de thèse universitaire, et vous avez un aperçu de La Maison des Feuilles. Ce que je pourrais vous conseiller, si vous ne l'avez pas encore lu et que vous aimeriez vous lancer là-dedans,
ce serait de lâcher prise. Personnellement, comme je vous le disais, je m'attendais à quelque chose de tellement difficile que finalement j'ai été plutôt agréablement surprise. Mais il faut se laisser porter, je pense. Il faut accepter que parfois on ne va rien comprendre, on va rien comprendre du tout. Il faut accepter de se laisser balader par la forme qui est complètement fracturée. Il faut accepter de se laisser emporter dans une histoire qui n'a aucune logique. Et surtout, il ne faut pas chercher absolument des réponses nettes et précises à la fin. Je n'en peux plus de cette lumière. Qu'est-ce que je disais? Qu'il va falloir accepter d'être complètement paumé. Et c'est peut-être bizarre comme conseil, mais j'ai envie de dire que si vous commencez la maison des feuilles et qu'au bout de la moitié, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous lisez, que vous trouvez ça un peu chiant, que vous n'êtes pas sûr de là où vous allez, et que vous hésitez à abandonner ou à continuer en vous disant « Ah, mais peut-être que à la fin, je comprendrai. » Je pense que si le livre ne vous plaît pas à la moitié, c'est même pas la peine d'insister. C'est vraiment une lecture qui ne sera pas faite pour tout le monde, je pense. Mais c'est vraiment difficile d'expliquer pourquoi j'ai aimé ce livre. Je trouve que c'est une expérience de lecture unique dans le sens où à la fois, La Maison des Feuilles, ça va être une expérience complètement universelle, puisque Danielewski nous parle d'une peur que n'importe qui peut comprendre. Le néant, le vide, l'obscurité, vraiment le rien intersidéral. Et en même temps, ça va être aussi une expérience à la fois très intime et personnelle, puisque à l'image de cette maison, qui met tous ces explorateurs face à eux-mêmes, face au rien, et du coup face à leurs pires peurs, mais aussi face à leurs désirs, à leurs délires, à leurs fantasmes. Ouais, face vraiment à eux-mêmes, et ben ce livre fait un peu la même chose, je trouve, avec son lectorat. Et j'en parlais à Cornelius quand je l'ai terminé, je me suis sentie vide, un peu abandonnée, mais aussi obsédée et hantée par cette histoire. Et en même temps, même si j'avais pas tout compris, je suis pas sûre non plus qu'il faille tout comprendre, et je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose absolument à comprendre en particulier. Je pense que c'est un livre qui est sujet à interprétation et qui peut y en avoir autant qu'il y a de lecteurs. Ce qui peut frustrer, hein, mais ce qui est aussi hyper intéressant, je trouve. Et ce que je disais à Cornelius, c'est que c'est trop bizarre parce que moi, je referme le livre. Et alors oui, j'ai l'impression d'avoir lu un roman un peu horrifique, ou en tout cas très étrange et un peu dérangeant. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir lu aussi un roman qui parle de l'amour. Pas forcément de l'amour romantique uniquement. J'ai l'impression que j'ai lu un livre sur ce que chacun est prêt à faire pour les gens qu'il aime, les peurs qu'on est prêt ou pas à affronter pour ceux qu'on aime. Je sais pas, genre, vous allez dire, mais meuf, La Maison des Feuilles, c'est pas du tout ça. Mais moi, c'est ce que. C'est un peu de ce que j'en tire en tout cas, parce que j'ai plein de choses à en dire, mais je sais pas. Je me suis vraiment attachée, ouais, à cette histoire, à ces gens, à cette famille, et ça m'a beaucoup marquée. Je me dis qu'il faut quand même avoir un sacré cerveau pour inventer une histoire pareille. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment intrigant, fascinant, angoissant, et beau aussi à certains moments, comme je vous disais. J'ai l'impression que je dis un peu tout et n'importe quoi sur La Maison des Feuilles, mais ouais, réellement, j'ai été beaucoup, beaucoup embarquée par cette lecture. Je comprends qu'on puisse passer à côté et que ce soit une lecture très frustrante et qu'on se dise pff, tout ça pour ça. Mais personnellement, ça n'a pas du tout été mon ressenti. Vraiment une expérience de lecture hyper cool à tester, je pense. Si vous pouvez l'emprunter à quelqu'un que vous connaissez ou dans une bibliothèque ou une médiathèque. Ça peut être sympa parce que bah, je pense que vraiment il y a une personne sur deux qui va kiffer et l'autre pas du tout quoi. Bref, je vais vous laisser là parce que ce vlog est beaucoup trop long. J'espère quand même qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, profitez de l'automne et puis à bientôt. Bye!